Bonjour, c'est la grenouille au micro. Celle qui farfouille devant les châteaux. Je parle de la pluie et du beau temps. En direct depuis la cour des grands. Dans tout leur domaine, ils sont les rois et les reines. Flatteur et pluie d'éloges, je suis toujours aux premières loges pour commenter dans l'allégresse les derniers potins de ses altesses. Je ne suis pas censé tout raconter sur nos chères têtes couronnées. Aussi, je compte sur votre discrétion pour ne pas le répéter à la maison. Aucune fiançaille à l'horizon, encore moins de révolution. Mais déjà l'annonce d'un nouveau drame. Le hoquet du roi Miam Miam. Bienvenue chez nos amis les rois et les reines. Je suis devant le château du roi Miam Miam où de graves secousses agitent le sol. Est-ce un tremblement de terre ou une explosion? Votre gloutonnerie a encore mangé trop vite. C'était pour avaler le plus tard. Tenez, buvez à l'envers. Ça fait vraiment passer le hoquet. Ça va durer encore longtemps. Selon mes dernières informations, Miam Miam a décidé de se rendre chez la reine Gilly Gilly afin qu'elle tente de lui faire passer son royal hoquet. Sangouinfrerie, le roi Miam Miam. Soyez le bienvenu. Mais dites-moi, vous avez encore formidablement grossi. Vous l'avez remarqué, non? Et vous aussi, toujours aussi légère qu'une plume. Venez, venez, nous allons nous occuper de votre cas. À quelle sauce allez-vous me manger? Attendez. Mon dernier cadeau de Noël, une salle de chatouille entièrement automatisée. Arrêtez, non! Arrêtez cette machine! Rien de tel que les chatouilles contre le hoquet! Alors? Suivez-moi! Ça y est, je n'ai plus le hoquet. J'en étais sûre. Rien ne vaut une bonne frotte pour faire passer le... Alors, j'ai pourtant fait de mon mieux pour être le plus effrayante possible. Elles ont tout tenté, mais son hoquet est tenace. Le roi ne va tout de même pas le garder jusqu'à la fin de ses jours. Il faut reprendre des forces. Allons manger. Entre deux, ok, vous devriez pouvoir y arriver. C'est vrai, il me reste au moins ce bonheur dans la vie. J'ai bien peur que vous ne puissiez plus rien avaler. Oh, plus jamais. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? On dirait que la peur de ne plus pouvoir manger vous a réussi. Mais oui, votre hoquet, où est-il donc passé? Je bois à la santé de mes deux invités qui m'ont sauvé d'un régime affreux. Bravo, il l'a échappé belle, mais entre nous... Hop là! Le gros miam miam est boursouflé, sûr qu'un jour il va éclater. Quand il s'assied sur votre chapeau, reste plus qu'un rond de plateau.
Longue vie au roi et aux reines. Ils ont comme nous des joies de peine, mais ils ont de si beaux châteaux et aussi de gros défauts. Chantons, chantons qu'ils soient toujours comme ils sont. Mais entre nous, tous les potins, les écomondes, c'est ma tasse de thé, c'est mon gagne-pain.